L'Iros est en train de s'habiller. Salut, c'est Patrick Sébastien. Chante les sardines. Il se prénomme Jacqueline. Qu'est-ce que vous faites, madame? Mais regardez-moi ce look. Viens ici. Sors, sors, sors. Jacqueline, attends-moi. Tu vas trop vite. Le café. Salut. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et à cliquer sur la cloche. Et surtout, regarde la vidéo jusqu'au bout si tu veux que ton nom apparaisse dans la bulle magique d'une prochaine vidéo. Bon visionnage. Salut à tous les amis. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qu'on est super content de faire. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Alors aujourd'hui, nous allons faire une vidéo que vous attendez tous ou pas. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons faire 24 heures comme des vieux. Comme des personnes âgées. Le téléphone sonne, d'accord. Bon allez, donc on va commencer tout de suite. Alors, qu'est-ce que nous avons prévu aujourd'hui? Alors, on va vous le dire tout de suite, parce que là, on va passer à l'habillage. Et ensuite, on va faire plein d'activités. Mais qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas oublier avant que la vidéo commence? De mettre un pouce bleu. De mettre un pouce bleu. Allez, vous mettez un like. Un pouce bleu, un pouce bleu. Profitez-en parce que les pouces bleus vont bientôt disparaître. Ouais, c'est les derniers jours pour en mettre. Abonnez-vous, activez la cloche, tout ça, c'est surtout parti. Salut. Donc voilà, on se retrouve dans la chambre parce que on va procéder à l'habillage. Alors regardez déjà ce que nous avons sélectionné. Alors on avait déjà fait cette vidéo avec que Lily Rose, mais j'avais trop envie de participer. C'est petit vieux avec petite vieille, voilà. Donc voilà, attention comme ça, tout de suite. Taille que toi. Non, t'es pas de la même taille que moi, t'es toute petite. Donc allez, là tout de suite, on va passer aux habits. Alors. Tiens, ça, c'est un peignoir, mais lui il est pour regardez tout ce qu'on a sélectionné. Alors, le peignoir il est pour toi hein. Non, le peignoir il est pour moi, ok. Alors on va poser ça, regardez les amis tout ce qu'on a. Alors bon, j'ai pris une barbe blanche pour moi. Une perruque, regardez-moi une casquette de vieux. Ah ouais. Bien sûr, alors, on critique alors, pas si attends, vous aimez ça. Attention, attention, on va pas tout vous présenter parce qu'on va s'habiller tout de suite et ensuite on se retrouve une fois qu'on l'a fait. Mais en tout cas, regardez-moi tout ce qu'on vous a pris. Il y a plein de déguisements. Là, vous ne voyez rien, voilà, parce que je file n'importe comment. Allez, donc c'est parti, on pose la caméra, on va s'habiller et on se retrouve. Regardez, spoiler, regardez ça. Regardez ça. Bon allez, à tout de suite les amis, on se retrouve une fois qu'on a fait ça. Let's go. C'est parti. Allez, vite, bougez de là. A few moments later. Alors regardez, Lyros est en train de s'habiller. Regardez-moi ça. Alors, vous inquiétez pas, on va pas rester chez nous hein, parce qu'on va aller dans la rue bien sûr pour voir ce qu'on pense les gens. Si, on va aller au magasin. D'ailleurs, on va aller au magasin. Donc c'est parti. Alors, on a mis ça pour cacher le jean troué et tout. Oui. Et ensuite toi, tu as un magnifique manteau. Allez, mets ça. Allez, tu mets tout. Ensuite, ça va être mon tour. Moi, je vais me taper encore plus la honte. Tu vas voir. Et attention, tu as un magnifique châle comme ça et tout. Ça se met dans, je sais pas dans quel sens ça se met. J'ai trouvé ça au grenier et tout. Bon, allez, tu mets ça. On se retrouve pour moi. Alors moi, j'ai les trucs les plus pourris. Alors regardez-moi ça. Alors ça, bon, je peux encore en mettre l'été, mais franchement, là en plus c'est l'hiver. Oh, regardez. Et tu mets ça, Lyros. Tu mets la calvitie. Allez, à tout de suite, on va pas vous spoiler, on se retrouve une fois que Lyros l'a fait. Alors regardez-moi son style, ensuite ça va être à moi de m'habiller. Waouh, tu es allez, fais-nous un petit défilé là. Allez, fais-nous, allez, sors de la chambre. Allez, fais-nous un petit défilé. Ah ouais, le déambule. Allez, vas-y. Fais-nous une petite rentrée dans la chambre là. 3 2 1 Ting 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 ting. En vrai ça peut me donner un petit style, ouais, un gros style quand même. Bon allez, à tout de suite, on se retrouve pour moi parce que moi ça va être à mon tour de m'habiller, c'est parti. Alors filme-moi quand je vais m'habiller parce que là ça risque d'être la grosse cata, la grosse moula. Alors déjà regardez ce que j'ai pris. Il y en a deux. Alors c'est même pas dans quel sens ça se met. Oula, là je vois que tu filmes n'importe comment, tu tends que tu fais ça. On dirait que t'es sur un bateau, parce que avec la taille de ses talons. Oh non, je vois rien. Salut, c'est Patrick Sébastien. Chante les sardines. Avec non, ça. Mais regardez-moi allez, ça. On va couper. Okay, parce que attends. Ah, on coupe. Bah, claquette chaussette. T'es à la mode. Oui. T'as filmé. Mais t'es à la mode. Oh, oui. Regardez. Claquette chaussette, il est à la mode. Oui, madame.
Alors, il se prénomme Jacqueline. Qu'est-ce que vous faites, madame? Jacqueline. Regardez-moi, je suis très stylée. Alors, normalement, la barbe, ça se met comme ça, mais oui, bon, mais vous allez pas me voir parler. Avoir un peu trop chaud, vous allez pas me voir parler, donc je vais la mettre comme ça. Mais regardez-moi ce look. Magnifique. Alors, là, je vais passer en mode vieux. Attends, j'ai ma béquille. Regardez-moi ça, ce que j'ai aussi. Alors, allez vite, on va dans la rue, Lily Rose. Allez, c'est parti. On va dans la rue. Allez, c'est parti. Par contre, là, on passe en mode vieux. Hein. C'est-à-dire qu'on a, on doit parler comme des personnes âgées, on doit se comporter aussi. Mais moi je m'appelle aussi. Comment? On doit se comporter aussi. Je m'appelle allez, comment? C'est parti. Donc ouais, là, c'est parti. On 3, y 2, va. 1, je coupe. Allez Jacqueline, allez, il faut aller faire les courses au supermarché. Au allez supermarché. Debout, debout au supermarché, sinon ah, on aura... qu'est-ce qu'on va acheter comme ça? Sinon on n'aura rien à manger ce là, midi. Moi j'ai allez. Mal à mon dentier, hein. T'as mal à ton dentier? Ah, allez, oui. Prends ton déambulateur, ça y est, on y va, parce que là, regarder la télé toute la journée, ça suffit. Ah. Allez, on y va. Allez, go. Allez. Viens ici. Donc là on est dans une zone commerciale. Alors on n'a pas pu filmer avant parce qu'il y avait un maximum de vent. Donc voilà. Oh punaise, on voit rien du tout parce que voilà, c'est bon, là on voit mieux. Alors regardez-moi ça, Lily Rose est là. Donc on est présent et on va aller dans une boulangerie finalement. Alors regardez, voilà, on est bien dans la rue. Donc on se balade comme ça depuis tout à l'heure. Lily Rose, elle veut enlever ses déguisements, elle a trop honte et tout. Mais moi je m'en fous parce que bah voilà, c'est tout, hein. Il faut rigoler dans la vie, hein. Sinon on meurt et on n'a rien fait, voilà. Alors c'est toi que je vais envoyer à la boulangerie, ok? Oui. Et je vais peut-être te filmer de l'extérieur si j'y arrive. Alors je vais donner de l'argent et tu vas demander un pain pas coupé, ok? Ok. Allez, t'es prête? Un pain non coupé. Alors un notre pain... cible c'est cette boulangerie, voilà, alors désolé à vous, hein. Non mais un pain comment non coupé? Un pain normal. Donc voilà, Lily Rose va rentrer dans la boulangerie, alors je vais pas la filmer pour le respect des gens quand même qui travaillent. Mais elle va demander un pain, allez Lily Rose. A few moments later. Allez Lily Rose, sors. Sors. Alors voilà. Alors qu'est-ce que tu as pris? Alors montre-nous ça. Montre-nous ça. Alors, oh mais t'as pris plein de trucs. Ouais. T'as dû dépenser tout ton argent. Pour toute la MIFA. C'est n'importe quoi. Bon allez, ouais, on rentre. Aller... On rentre. Moi j'en ai marre. Oh, on va manger. Ouais, là, il est déjà 11h. C'est l'heure de manger le midi. Moi je mange à midi. Hein. Allez, ça suffit. Allez, on y va. Jacqueline, attends-moi. Tu vas trop vite. Allez. Donc là j'ai préparé un petit déjeuner pour Cosette là. Oh, merci. Alors j'espère que tu vas aimer. Alors là les amis, plus sérieusement, on va faire une dégustation de trucs que Lily Rose n'aime pas du tout. Alors ouais. Elle, on sait pas si elle aime bien. Alors bien ça, le pain. Si vous connaissez pas, c'est du pastador, c'est une pâte à tartiner. Ah bah justement. C'est une pâte à tartiner. C'est une pâte à tartiner mais très forte. Et c'est à quoi ça? Au chocolat. T'es sûr que c'est au chocolat? Bah oui. C'est au chocolat noir, donc on va voir si elle aime bien. Et du café. Alors vraiment t'en boiras juste moi, une gorgée parce que... j'aime bien c'est... Ah non mais tu vas tout manger hein, tu vas tout manger oui. Mais le café tu vas juste prendre une gorgée parce que c'est pas bon pour les enfants d'en prendre. En plus elle va être super énervée après. Donc allez goûte ça. Alors il y a beaucoup de personnes âgées qui mangent ça. Ensuite on va demander à notre frère si elle est là. Le pain est resté. On va faire sur ça. Heureusement que c'est pas celui qu'on vient d'acheter. Allez goûte. Allez goûte. Non mais le bon bout hein. Le bon bout, là regardez elle essaie de tricher. Allez mange le bout. Regardez cette réaction. Allez, enchaîne sur le café là pour te rafraîchir. Le café. T'es pas une vraie petite vieille. Hein. Elle va cracher, je pense. Bon, allez, c'est à moi. Allez, vas-y, filme-moi en train de boire. Alors, moi, ça va être au calme. Hein. Attention, le plus dur, ça va être de pas avoir de poils dans la bouche. Finalement, donne-moi ça. J'en ai mis partout sur ma barbe. Bon, allez. Donc, allez, les amis, on va couper. On va réparer ça. On se retrouve tout de suite. Bon, allez, qu'est-ce que tu fais, Cosette là? Store et regarde ce que j'ai ramené. Qu'est-ce que c'est? Un téléphone pomme. Qu'est-ce que t'as acheté? Une pomme. C'est quoi que cette bêtise? Ça fonctionne comment? Ça sert à quoi? C'est une pomme de notre temps. Non mais ça fait quoi ce truc? Je sais pas. Non mais c'est n'importe quoi. Attends, je vais aller montrer ça là-bas. Non mais qu'est-ce que tu nous as acheté? T'as encore dépensé tout l'argent? Non mais regarde ce qu'elle a acheté. Regarde-moi ça, cette bêtise. Non mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ça sert à quoi d'ailleurs? Ça sert à quoi? À faire Internet quoi là. Internet, c'est quoi que cette bêtise? Bon allez, moi j'en ai marre, je vais me coucher, suivez-nous les amis, on va se coucher. Ah, moi de toute façon je me réveille à 5h du matin tous les jours. Voilà, hein, il faut se lever tôt. Et toi, à quelle heure tu te lèves? Je me lève pas. Oh, qu'est-ce que tu fais Cosette? T'es pas encore en train de dormir? Oh, qu'est-ce que tu fais là? C'est la troisième sieste de la journée là. Oh, laisse-moi tranquille. Non, moi, non, si j'ai envie de dormir, je dors, hein. Ça va pas du tout. Oh. Mais attends, depuis le début, c'était une perruque. Non. Non mais, tu me mens depuis le début. Non. Tu me mens depuis le début. Bouge de cette chambre. Tu n'es pas vieille en vrai. Mais si. Et c'est quoi ça encore une fois? C'est mon Apple. Enlève-moi ça. Ma pomme. En fait, tu es une jeune.
Tu es une jeune en vrai. Oui, en vrai, je m'appelle Lily Rose. Non. Et moi, je suis vraiment vieux. Qu'est-ce que vous faites ici? Et toi, t'es vraiment vieux? Et depuis le début, tu faisais... Oui, oui. Et depuis le début, tu faisais semblant d'avoir un déambulateur. Bah oui. Et de mal savoir marcher. Bah oui. Oh, tu m'as trahi. Je suis pas content. Allez, dehors. Bougez de chez moi. Non, c'est ma maison. Ambalim bébec. Bougez de chez moi. Allez. C'est ma maison. Ah, mais vous êtes venu ici pour me voler ma valise. Non. Ta valise. Non, vite, vite. Sortez d'ici. Sors d'ici. Sors d'ici. Et ne prenez pas ma valise, hein, surtout. Allez. Au revoir. Oh, mais c'est pas possible.